Bonjour à tous, j'ai l'agriculteur du Loiret. Bon, ben là, je suis en train de faire un petit point sur mes blés, sur les derniers blés qui ont été semés il y a maintenant quasiment 15 jours. Non, allez, 10 jours. Donc, ils sont bien levés, ils sont à une feuille. Et là, l'objectif, ça va être d'installer un petit piège pour les insectes, pour pouvoir voir justement est-ce qu'il y a des insectes en particulier, des pucerons qui arrivent sur la parcelle. Hop, donc c'est des petits pièges à glu. L'objectif, ça va être de pouvoir voir si on a des pucerons ailés qui arrivent, si on a des cicadelles, pour pouvoir voir si on va traiter ou pas avec un insecticide par rapport à ces blés-là. Ça n'empêche pas qu'il faut quand même aller voir la population des pucerons, même si on a quelques ailés, parce que c'est pas forcément eux qui font le dégât, mais c'est bien les pucerons qui sont sur les plantes. Donc voilà, donc la levée est plutôt bonne. Là, dans quelques jours, je vais avoir un deuxième désherbage à faire, justement pour pouvoir gérer ces petits régrats, là, comme celui-là. Il y en a quelques-uns. L'objectif, ça va être de voir est-ce qu'on met un insecticide ou pas avec ce désherbage. Le désherbage, il sera obligatoire. L'insecticide, on va voir le résultat un petit peu de ces pièges pour voir où est-ce que ça en est. Bon, allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo.